Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la destination culinaire des viandes. L'objectif, déterminer la cuisson des viandes lors d'une vente en argumentant sur la composition chimique du morceau. Les objectifs intermédiaires, A, les rendements carcasses commercialisables et réellement commercialisés. Identifier les différents morceaux de chaque espèce animale, connaître la composition chimique des viandes, connaître le tissu conjonctif, connaître les différents modes de cuisson, connaître les différents types de cuisson, connaître les basses cuissons, les qualités organoleptiques des viandes, les facteurs qui ont une influence sur la qualité organoleptique des viandes. La destination culinaire des viandes. Identifier les différents morceaux de chaque espèce animale. A, le bovin adulte. Alors ici, vous pouvez voir la représentation sur la bête elle-même des différents morceaux du bovin que nous allons détailler dans la diapositive, dans le PowerPoint. Pour déterminer un rendement, il faut d'abord avoir un animal vivant. L'animal vivant, on va tenir compte du bien-être animal. Les conditions d'élevage sont de qualité. Le système extensif, transport dans des bonnes conditions et le box de stabilisation, recharge d'énergie. Hein, on va s'assurer que l'animal est en très bonne santé et riche en énergie afin d'améliorer les qualités organoleptiques à la fin de la chaîne d'abattage. Pour obtenir le rendement carcasse, à peu près 62% si c'est une blonde d'Aquitaine, on va retirer le cinquième quartier, c'est-à-dire la partie consommable du cinquième quartier, les abats. Les produits destinés à la pharmacie, donc ce qu'on appelle l'opothérapie, donc on va récupérer l'ensemble des hormones dans le sang afin de faire les médicaments. Il va avoir la troisième partie, les issues qui vont servir, par exemple, comme le cuir, à faire des canapés, des chaussures. Et la quatrième partie qu'on appelle les déchets divers, où là, on ne peut pas faire grand-chose avec. Durant la chaîne d'abattage, l'animal va être transformé en carcasse, essentiellement en quatre quartiers, deux ART8, deux AVT5. Le ressuage, qui est la dernière étape de la chaîne d'abattage, a pour mission de refroidir la carcasse qui est au départ de la chaîne d'abattage à peu près entre 37 et 39 degrés Celsius, à une température de 7 degrés à cœur avec un pH ultime, donc idéal, entre 5,5 et 5,7. Pour obtenir un rendement commercialisable, c'est-à-dire la quantité de viande qu'on est susceptible de vendre, l'artisan boucher, après une phase de maturation de 12 jours minimum, va transformer les carcasses en viande. Il va retirer le squelette, environ 12% de l'animal carcasse, les déchets, gras, aponevrose, 10%, et il y aura une perte qu'on appelle la freinte, 1%, qui correspond à la dessiccation et à l'exudation. Le rendement réellement commercialisé est plus faible. Pourquoi? Pendant l'exposition de la viande au client, il y a encore de la dessiccation et de l'exudation. Si vous avez par exemple fait des rôtis et que le ficelage est trop serré, vous allez avoir une perte d'eau importante. Et il y a aussi le fait que si la viande est mal gérée, vous allez avoir par le froid un assèchement des morceaux, donc vous allez refaire une coupe et peut-être jeter des petits bouts de morceaux. Donc on estime environ à 1% cette perte. Le rendement carcasse, poids vif moins le cinquième quartier, abat, opothérapie, les essieux et les déchets divers, exprimé en taux, donc c'est un pourcentage. Nous allons avoir au-dessus les carcasses, les quatre quartiers, divisé par les cinq quartiers, c'est-à-dire l'animal vivant. Le rendement commercialisable, poids carcasse moins les os, l'essuie, gras et aponevrose et la freinte, dessiccation et exudation, exprimé en taux. Ça va être le poids de viande récupéré par rapport au poids carcasse.
Le rendement réellement commercialisé, rendement carcasse moins les pertes liées à la vente, dessiccation, exudation, fausse coupe, hygrométrie, exprimé en taux. C'est la quantité de viande réellement vendue. Les calculs commerciaux. Quand on est artisan boucher, forcément, on y a des achats. Il va avoir de la vente et entre-temps, différents frais liés à l'activité du commerce. Donc le coût d'achat, prix d'achat hors taxe, plus les frais liés à cet achat. Exemple, les frais de transport. Coût de distribution, ce sont les charges fixes plus les charges variables. Le chiffre d'affaires hors taxe, c'est le montant des ventes hors taxe. Charges variables, l'eau, l'EDF, prime, etc. Charges fixes, le salaire, le loyer, les abonnements, les impôts et les abonnements. Alors dans les abonnements, il y a les abonnements de l'EDF, de l'eau, hein, et etc. Tout ce qui est fixe. La marge commerciale, c'est le chiffre d'affaires hors taxe moins le coût d'achat. Taux de marque, c'est la marge commerciale divisée par le chiffre d'affaires hors taxe fois 100, c'est un taux. Seuil de rentabilité, charge fixe divisée par, dans un premier temps, chiffre d'affaires moins les charges variables, redivisé par le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Point mort, seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires hors taxe fois 365, puisqu'on là on a choisi de calculer la rentabilité d'une entreprise, ou en tout cas d'un produit de l'entreprise, sur une année. Savoir à quel moment de l'année on va commencer à gagner de l'argent. Le seuil de rentabilité, vous allez obtenir trois résultats différents. Positif, vous gagnez de l'argent. Neutre, c'est le point mort. Et négatif, il va falloir réagir parce que vous perdez de l'argent. La destination culinaire des viandes. Donc là, nous avons un RT8 qui va se diviser d'un côté en aloyaux, hanche plus déhanché, et de l'autre côté VCU, boule, cuisse, les trois noix. La destination culinaire des viandes. Donc dans le BCU, vous avez les trois noix, donc vous avez la tranche, anciennement tranche grasse, l'ensemble digital à la noix, le temps de tranche et le jarret. La destination culinaire des viandes, l'aloyau, on retrouve la hanche, le déhanché. La hanche est composée du filet de rumsteak, du cœur de rumsteak, de l'écuyette de rumsteak, de l'écuyette baronne. Le déhanché, nous allons avoir les bavettes de flancher, les bavettes d'aloyau, le jeu de fausses bavettes, les bavettes à pot au feu, et les deux morceaux nobles, le faux filet et le filet de bœuf. Le milieu de train de côte, vous allez avoir les côtes de bœuf, désossées, ça deviendra des entrecôtes, et vous allez avoir le dessus de côte. L'avant 5 côtes. Donc vous allez avoir le gros bout de poitrine, le collier basse côte, l'épaule. L'épaule. Levé en raquette, c'est-à-dire sans bateau, vous allez avoir le jumeau à bifteck, le paleron, la macreuse à bifteck, le jarret sans os, la macreuse à pot-au-feu, le jumeau à pot-au-feu, le merlan d'épaule, la surprise. Le collier basse-côte, vous allez avoir dans la basse-côte le premier talon, le persillé, l'entrecôte seconde ou découverte. Et vous allez avoir du côté du collier, veine maigre, et 20 grasses. Pour les BP, on peut aller jusqu'à la salière au niveau de l'atlas, la chaînette, une partie du filet mignon. La destination culinaire des viandes, le gros bout de poitrine. Donc vous allez avoir comme muscle le moucheron, appelé aussi le mousseux, le bateau et le plat de côte découvert. Le milieu de caparaçon, vous allez retrouver la hampe, la fausse hampe, le tendron, le plat de côte couvert.
La destination culinaire des viandes, identifier différents morceaux de chaque espèce, le jeune bovin âgé de moins de 8 mois, donc le veau. Vous allez avoir comme dénomination le jarret ou ossobuco, le cuisseau raccourci, le quasi. Le quasi plus le cuisseau raccourci, ça va vous donner le cuisseau. Vous avez les côtes filets, le flancher. Le côte filet plus le flancher, ça vous donne la longe. Vous avez le carré de côte première et seconde, la poitrine entière, l'épaule, le collier et l'entrecôte seconde ou découverte, hein, le bas carré. Le pont de veau, vous avez le cuisseau, la longe de veau. Le cuisseau, vous allez retrouver la sous-noix, la noix pâtissière, la noix, le quasi et le jarret ossobuco. La longe de veau, vous allez avoir l'ensemble des côtes de veau, la longe de veau sans os et le filet mignon. Et là, ce qui n'est pas marqué, le rognon. La base de veau, vous allez avoir l'épaule, la poitrine, le collier bas carré ou collier entrecôte découverte. Identifier les différents morceaux de chaque espèce animale. Là, nous allons retrouver le jeune ovin, c'est-à-dire âgé de moins de 12 mois, l'agneau, qui est composé du collier, des côtes découvertes, de l'épaule, côte seconde et côte première, le haut de côte, la poitrine, filet et côte filet, selle, gigot raccourci, et la selle plus le gigot raccourci fait le gigot entier. Le rendement d'un agneau. Si nous partons sur une base de 34 kg poids vif, perte au transport 4%, nous allons obtenir un poids carcasse chaud de 17,4%, 17,4 kg à peu près. Vous allez avoir une perte de ressuage 2%, donc une perte d'eau par dessiccation. Et vous allez obtenir un poids carcasse froid 17 kg. 50% de l'animal, c'est le rendement en général du chai l'ovin. Ce qui fait qu'après une phase de maturation, vous allez perdre encore 1%. La carcasse commercialisable sera donc de 16,8 kg. Le rendement commercialisable, 80%. Donc gras plus suif, 10%. Et les os, 10%. Carcasse commercialisable 16 kg, mais après le travail, il vous restera plus que 80% de 16%. Ce qui va vous donner le roast beef court, d'accord, qui est composé des deux gigots, des filets doubles et du carré 8 côtes, 55% de l'animal. Le cast 45% avec les côtes découvertes, les deux épaules, les deux poitrines et le collier entier. Gigot raccourci 4,2 kg, selle 1,5 kg, ce qui représente 25% pour gigot raccourci, 9% pour la selle, ça, 34% de l'animal. Le collier filet, les côtes filet, excusez-moi, 1,7 kg, 10% du poids de l'animal, carcasse, hein. Carré couvert de côte 1,8, soit 11%. Carré découvert de côte 1 kg, 6%, l'épaule 19%, les poitrines 13% et le collier 7%. Alors pourquoi il est intéressant de connaître le pourcentage des morceaux sur l'agneau? Puisque le jour de l'examen, vous allez avoir à estimer le poids d'un gigot. Par exemple, si le gigot, vous savez qu'avec os, sans la selle, il représente à peu près 25% de votre animal. Si vous connaissez le poids carcasse de votre animal, vous divisez par 4. Donc vous savez déjà, vous avez déjà un premier poids, c'est celui du gigot avec os. À vous de connaître le poids de votre gigot à peu près sans os. Il faut s'habituer en entreprise de voir à peu près quel pourcentage vous perdez. Ça vous permettra d'avoir une meilleure estimation de vos morceaux. L'épaule 3,2, poitrine 2,2. Et le collier.
La carcasse entière d'agneau, eh ben, il y a deux épaules, deux poitrines, un collier, côte filet double, carré de côte, gigot. Les deux gigots entiers, on va appeler ça la culotte. La culotte plus les filets doubles, on va appeler ça le baron. Le baron plus le carré huit côtes, on va appeler ça le roast beef court. Le carré huit côtes plus les côtes découvertes, ça va nous donner le roast beef long. Devant, nous allons avoir un collier et deux épaules. Ça va nous donner le papillon. Le papillon plus les côtes découvertes doubles plus poitrine, le casque. Et le casque plus le carré huit côtes, le coffre. Ce qui nous donne un baron plus un coffre, une carcasse entière. Un roast beef court plus un casque, une carcasse entière. Le porcin. Donc dans le porcin, vous allez avoir la tête. C'est le seul animal qui est vendu avec la tête. Donc dans le poids viande, vous avez la tête. Donc sur la tête, il y a les oreilles. Vous allez avoir ce qu'on appelle le rein. Alors le rein, ça va prendre l'entière, tout ce qu'il y a sur le dos, hein. Nous allons avoir toute cette partie-là au niveau du rein. Donc la barbière, la demi-épaule, donc la palette, l'échine, l'ensemble des côtes, les côtes filets et la pointe. Sur le cochon, vous allez avoir ce qu'on appelle aussi ici le jambon raccourci, puisque la pointe ici a été enlevée. Et vous allez avoir cette partie-là, sans la palette, qu'on appelle la poitrine à hachage. Donc tête, rein, jambon raccourci, poitrine à hachage. Longe de porc, poitrine à hachage, jambon entier, épaule. Côte filet, échine, filet mignon, carré de côte. La destination culinaire des viandes, hein, connaître la composition chimique des viandes. Donc, dans les viandes, il y a essentiellement les protéines. Ces constituants, encore appelés protéines, ont un rôle constructeur dans notre organisme. Ils participent à la construction des cellules et plus particulièrement des muscles, donc de la viande. La consommation d'un gramme de protéines apporte une valeur de 17 kilojoules. En deux, vous avez des lipides. Ces constituants, encore appelés corps gras, ont un rôle énergétique dans notre organisme. Ils participent à réguler la température du corps, maintien de la température du corps à 37 degrés Celsius en produisant de la chaleur. La consommation d'un gramme de lipides apporte une valeur énergétique de 38 kilojoules. L'eau. L'eau est le principal constituant du corps humain. Son rôle est constructeur, construction des cellules, et fonctionne, est fonctionnelle puisqu'elle participe à de nombreuses réactions chimiques dans le corps humain. Elle permet l'élimination des déchets par l'urine. Elle aide au maintien d'une température constante à l'intérieur du corps par la transpiration. Les vitamines, ce sont des constituants qui ont un rôle fonctionnel. Elles ne sont pas énergétiques. Les plus importantes, A, B, C, D, E. Les éléments minéraux ou sels minéraux, ce sont des constituants issus de la roche, transmission de l'influx nerveux et dans la contraction musculaire. Utile au maintien de l'automatisme cardiaque. Favorise la digestion et l'assimilation, le fer, le calcium par exemple. Connaître le tissu conjonctif, il est composé de 90% de collagène et de 10% d'élastine. Le collagène est la principale protéine structurelle dans les tissus conjonctifs, cartilage, os, ongles, derma et les cheveux. Le taux de collagène est identique dans chaque bête. C'est la répartition de celui-ci qui détermine la tendreté des viandes. Bête du type rectiligne, pauvre en muscles, collagène dense, représenté par ce ballon dégonflé où la quantité de collagène au centimètre carré est très importante. Bête du type convexiligne, riche en muscles, collagène étiré. Étant donné que le taux de collagène est identique, forcément, plus il y a de viande, plus le collagène va s'étirer, donc va diminuer en densité, donc il va devenir très fragile, ce qui va augmenter la tendreté de la viande. Connaître les différents modes de cuisson, connaître les types de cuisson, la destination culinaire des morceaux, les symboles, la concentration qu'on appelle aujourd'hui avec brunissement,
consiste à prisonnier les sucs à l'intérieur de la viande. L'expansion, c'est l'inverse. On veut libérer les sucs afin qu'ils se mélangent à la sauce. Et mixte, on va commencer par prisonnier, par marquer en cuisson, on appelle prisonnier les sucs dans la viande, puis on va les libérer. Ici, vous avez un tableau qui vous permet de voir à peu près comment, quels sont les types de cuisson. Par exemple, rôtir, poêler, sauter, griller, frire dans un liquide, cuisson à la vapeur. Hein. Toutes les cuissons aujourd'hui, que ce soit avant à braiser ou à bouillir, sont regroupées sur le thème à mijoter dans un liquide. Vous pouvez voir les différentes définitions comme rôtir, meuble, un rôtissage, et la définition cuire à découvert, récipient de cuisson, par exemple la broche, et appareil de cuisson, four, rôtissoir. La cuisson dite par concentration est une dénomination ancienne pour désigner le type de cuisson des aliments qui consiste à soumettre l'aliment à une chaleur intense dès le début de la cuisson. La cuisson dite naguère par concentration et qui est dite aujourd'hui avec brunissement a lieu dans un milieu liquide, un milieu gazeux ou sous vide. Le liquide peut être un milieu aqueux bouillant, eau, sirop, vin, lait, yaourt, etc. ou un corps gras, chaud, huile alimentaire, graisse alimentaire. Le milieu gazeux peut être l'air sec, four, broche, grille, etc. ou humide, vapeur. Ce mode de cuisson vise à éviter au maximum aux nutriments sucres de sortir des aliments. En surface, la formation d'emploi de la caramélisation des glucides, voire réaction de Maillard. La réaction de Maillard, comment ça marche? La réaction de Maillard peut se produire dans tous les types de cuisson et même à température ambiante. Le pH, la teneur en eau et la température de l'aliment influencent la vitesse à laquelle elle se produit. Ceci a un impact direct sur les arômes qui s'en dégagent. Ainsi, le même aliment produira des arômes différents suivant qu'il est grillé, rôti, frit, voire même bouilli dans un autocuiseur. Un aliment avec un pH élevé alcalin y offre des conditions plus favorables qu'un aliment avec un pH bas acide. La marinade, par exemple, influe le pH de l'aliment et par conséquent son brunissement et ses arômes lors de la cuisson. À 90 degrés Celsius, la réaction de Maillard se produit lentement. Pour augmenter sa vitesse, il faut que la surface de l'aliment dépasse le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. Ainsi, dès 115 degrés Celsius, la réaction augmente et dès 130, elle se déroule très rapidement. Mais à partir de 180 degrés, la réaction de Maillard s'arrête. Une autre chaîne de réactions chimiques commence, alors la pyrolyse, c'est-à-dire la décomposition de l'aliment par la chaleur. C'est la pyrolyse qui est responsable du goût du brûlé, c'est-à-dire de cette amertume des aliments excessivement grillés et des substances noires et calcinées qui peuvent être cancérigènes. La distillation des culinaires des viandes, les modes de cuisson type cuisson par concentration. Eh bien, on a vu pocher dans un liquide bouillant, cuire à la vapeur, rôtir, griller, sauter, frire, poêler. La cuisson dite par expansion est une dénomination pour désigner le type de cuisson qui l'aliment à cuire dans un liquide froid ou dans un liquide porté à une température inférieure à celle de la coagulation de protéines. Ce type de cuisson se produit dans les cuissons à l'anglaise ou bouillies si le départ du cuisson a lieu dans le liquide froid et dans les pochées si le départ de cuisson a lieu dans un liquide froid ou porté à une température inférieure à celle de la coagulation des protéines. Ce type de cuisson vise à permettre un échange entre l'aliment et le milieu de cuisson. Application de ce type de cuisson des viandes et des poissons, si l'on veut obtenir un bouillon savoureux, cuisson des pommes de terre et des légumes secs pour favoriser leur réhydratation avant leur cuisson. Les poissons sont pochés avec départ à froid, surtout pour éviter la déformation due à une brusque coagulation des protéines.
Les modes de cuisson du type cuisson par expansion, poché dans un liquide départ à froid, braisé. La cuisson dite mixte, l'aliment est tout d'abord exposé au phénomène de concentration, dans un deuxième temps au phénomène d'expansion, apport d'un aliment liquide, qui permet le ramollissement de la chair et les échanges de saveurs entre les aliments et le liquide. Connaître les basses cuissons. Le procédé de la basse température consiste à cuire des aliments à une température faible mais constante afin d'atteindre une température minimum à cœur. Bien connu des industriels et restaurateurs, le procédé devient de plus en plus populaire chez les cuisiniers amateurs. On parle parfois de cuisson à juste température, l'expression basse température étant également utilisée pour évoquer une technique de cuisson à des températures encore plus faibles, entre 46 degrés et 68 degrés Celsius, requérant, elle, un matériel professionnel. La cuisson à basse ou juste température est particulièrement adaptée pour la viande. Elle permet en effet d'obtenir une texture tendre, quelle que soit la pièce, de préserver les jus, mais aussi d'éviter la perte de poids des morceaux durant la cuisson. Le procédé réclame seulement un four moderne et un bon état. La cuisson basse température peut aussi se faire au bain-marie, mais requiert un équipement spécifique, ainsi que de respecter scrupuleusement les règles de cuisson. La température minimale mise en œuvre doit être dans tous les cas supérieure à 65 degrés Celsius, de manière à ne pas favoriser le développement microbien. Les températures de cuisson à basse température. Saisir préalablement de 5 minutes pour une côte de bœuf à 10 minutes pour un rôti. Bœuf, température à cœur de 50 degrés Celsius pour une viande saignante, 55 degrés pour une cuisson à point. Le filet pour 800 grammes, faut compter à peu près 1h30 à 80 grammes, à 80 degrés Celsius. Un rôti de 800 grammes, lui, faudra compter 2 heures à 80 degrés Celsius. Vous pouvez lire chaque exemple, ça vous permettra de vous rendre compte du temps de cuisson pour les différents morceaux. Cuisson traditionnelle. Quand vous mettez votre four préchauffé à 240 degrés pour avoir à cœur une viande saignante à 50 degrés Celsius, 45-50, le bœuf, c'est 3 secondes de cuisson par degré Celsius pour 500 grammes. Le temps de cuisson, c'est divisé par 2 pour 500 grammes de plus. Divisez le résultat par 60 pour avoir une unité d'heure. Exemple, 1 kg. C'est 3 fois 240 plus 720 divisé par 2 plus 360 divisé par 2, ce qui nous donne 500 grammes de viande 12 minutes. Pour avoir 1 kg de viande saignant, il faudra compter 18 minutes. Et 1,5 kg, on partira sur une base de 21 minutes. Lorsque vous faites une cuisson à basse température, 80 degrés Celsius au lieu de 240, nous passons à 11,25 secondes par gramme. Ce qui donne pour 100 grammes 15 minutes, 200 grammes 30 minutes, 500 grammes 75 minutes, 800 grammes 120 minutes et 1 kg, il faudra compter 150 minutes de cuisson. Le temps de cuisson par espèce et par destination culinaire. Les bases sont pour une cuisson saignante, 50 degrés Celsius, cuisson traditionnelle. 1. Pour le bœuf à cuisson rapide, les rôtis 12 minutes par 500 grammes. Pour les beefsteaks, 1 à 2 minutes. Pour la côte de bœuf, 5 minutes par phase alternativement ou 3 minutes alternativement. Pour le veau et l'agneau, pour l'agneau, four chaud à cuisson rapide, pour les rôtis, 15 minutes 500 grammes. Pour les escalopes, 1 à 2 minutes par phase. Les bases sont pour une cuisson bien cuite, 60 degrés, cuisson traditionnelle. Pour les viandes à mijoter à feu doux, pour 1 kg, 3 heures dans une cocotte en fonte ou 1h30 à l'autocuiseur. Pour la blanquette, 3 heures en cocotte ou 1h30. Pour le porc et le rôti de porc, c'est 30 minutes par 500 grammes. Le sauté de porc, 3 heures à la cocotte ou 1h30 à l'autocuiseur. Cuisson de la côte de bœuf à basse température. Retirez les aponevroses. Croûtez la face ABC, rissoler dans une poêle. Il faut faire rissoler la côte de bœuf dans un peu de matière grasse, attendre que la matière soit à bonne température, légèrement fumante,
pour une côte de bœuf de 1,2 kg, comptez 6 à 7 minutes de rissolage pour l'ensemble des faces. Assaisonnez au gros sel, mettez plus de temps à pénétrer les fibres musculaires que le sel fin, et poivre. Insérez la sonde au cœur de la viande sans toucher l'os avant de l'enfourner, en programmant votre four à 80 degrés et à votre sonde 55 degrés Celsius pour une cuisson bien cuite. Enfourner, mettre dans un plat préchauffé et introduire la sonde au cœur de la viande. Découper la côte comme indiqué sur la photo. Comment déterminer la cuisson des viandes rouges sautées ou grillées? Bleu, le moins cuit, la chair reste rouge à cœur molle. Température à cœur environ 45 degrés. Saignant, cuisson un peu plus prolongée que la précédente, on note un raidissement des chairs. Température à cœur environ 52 degrés. À point, cuisson assez longue et très fine, gouttelette d'exsudat perlant surface. Température à cœur environ 59 degrés Celsius. Bien cuit, cuisson longue, même le cœur de la viande est ferme et des gouttes d'exsudat ont fortement perlé en surface. Température à cœur environ 64 degrés Celsius. Pourquoi doit-on laisser reposer une viande après la cuisson? Le croustillant sur la surface de la viande signifie que le tissu ne contient plus du tout d'humidité. Oh. Lorsqu'on est à une température inférieure à 100 degrés, cela veut dire qu'il reste de l'eau. L'eau, c'est la tendreté de la viande. Pour que le jus, l'eau concentrée dans la pièce de viande, se diffuse du centre vers l'extérieur, il faut laisser à la viande se reposer. Ainsi, nous pouvons obtenir une cuisson uniforme et une tendreté de la pièce. Donc, une viande très cuite ne contiendra plus d'eau, la tendreté ne pourra se faire et elle ne sera donc dure. Bleu 45 à cœur, à point 50-60 degrés à cœur, saignant 50 degrés à cœur, bien cuit 60 degrés à cœur. Les qualités organoleptiques de la viande. La juteosité, c'est la mastication, la couleur, c'est la vue, la flaveur, c'est le goût et les odeurs, et la tendreté, c'est la capacité de broyer une viande sans effort. La tendreté, parmi les qualités organoleptiques de la viande, couleur, flaveur, tendreté, juteosité, la tendreté joue un rôle important dans l'acceptabilité de la viande par le consommateur. Rosser, 1984. Elle est la facilité avec laquelle la viande est coupée et broyée au cours de la mastication. Elle représente souvent un critère de qualité, mais elle peut varier beaucoup, beaucoup d'un morceau à l'autre et dépend essentiellement du collagène du tissu conjonctif, des protéines miofibrillaires et des fibres musculaires. Dans la viande crue maturée, le callogène est l'agent principal responsable de la dureté, tandis que dans les viandes cuites, sous l'action de la chaleur, ce constituant est progressivement solubilisé, alors que la résistance des myofibrilles augmente rapidement. La couleur, la myoglobine, chromoprotéine sacroplasmique qui assure le transport de l'oxygène, mitochondrie dans les cellules musculaires in vivo, est responsable de la couleur de la viande. La couleur est liée principalement à la qualité du pigment, l'état chimique du pigment, l'état physique des autres composants de la viande, l'état de fraîcheur de la coupe, la nature de l'atmosphère, la température de l'entreposage, les interactions avec les composés chimiques sont les aliments qui conditionnent l'état chimique du pigment et donc de la couleur de la viande. Flaveur, c'est l'ensemble des perceptions olfactives et gustatives liées à la consommation d'un aliment. Elle est donnée par plus de 650 composés chimiques, les composés non volatiles du goût de la viande et les composés volatiles de l'odeur. La flaveur conditionne l'acceptabilité de l'alimentation, l'aliment. Elle résulte de la teneur et de la nature des lipides du muscle. Elle dépend également de la race, du sexe de l'animal. Juteosité. La juteosité ou succulence d'une viande est une qualité organoleptique perçue au cours de la mastication. Elle est fonction du persillé ou du marbré, c'est-à-dire de la présence de graisse interstitielle visible également sur les découpes des muscles. Une viande dépourvue de persillé est moins succulente.
Le sens, la vue, l'organe, les yeux, le symbole, l'œil, propriété, organoleptique, couleur, forme, taille, aspect. Le sens, l'odorat, l'organe, le nez, le symbole, le nez, arôme et odeur. Le goût, bouche, langue. Saveur, épice, métallique. La ouïe, l'oreille, croquant, croustillant. Toucher, peau, texture dure, élastique, mou, fondant, chaud, froid ou irritant. La distillation culinaire des viandes, les facteurs qui ont une influence sur la qualité organoleptique des viandes. Facteurs influençant la tendreté. Il faut noter que l'origine est différente de tendreté observée, se situe au niveau de la répartition des caractéristiques et de l'évolution du cathogène et des myofibries, et cela en fonction de deux séries de facteurs. Des facteurs intrinsèques liés à l'animal, des facteurs extrinsèques liés à la technologie appliquée depuis l'abattage jusqu'à la cuisson, en passant par les conditions de conservation. Facteur intrinsèque, la tendreté en fonction du pourcentage de tissu conjonctif et de la longueur des fibres musculaires. L'âge, le vieillissement du tissu conjonctif favorise la liaison intramoléculaire du collagène. Le sexe, l'influence du sexe diffère en fonction du mode du muscle. Les muscles du faux filet du bélier sont significativement moins tendres que ceux du brebis. La place du morceau sur le muscle, la tendreté diminue à proximité du tendon. La tendreté est en fonction de l'orientation de la trame conjonctive, donc de la découpe du morceau. Un temps de maturation suffisamment long est nécessaire pour l'obtention de la tendreté, recherché 12 à 21 jours en moyenne. Facteur extrinsèque. Conditions de conservation. L'utilisation du froid négatif pour limiter la multiplication microbienne inévitable doit se faire lors de la rigidité cadavérique établie. Sinon, la viande subit un cryo-choc, provoquant des contractions musculaires irréversibles, quelle que soit la maturation qui induit normalement un attendrissage musculaire. La viande restera dure. Cuisson. En règle générale, la cuisson est une action d'attendrissage sur les tissus conjonctifs du fait de la transformation du collagène en gélatine. Par contre, la cuisson augmente la dureté des protéines myofibrillaires qui coagulent. La couleur. Ici, l'éleveur, par le choix des animaux, joue un rôle primordial. Différents facteurs biologiques déterminent l'intensité de la couleur. Rouge du muscle, les specs par exemple, mais aussi l'âge de l'animal, la teneur du muscle en myoglobine augmentant avec l'âge. L'éleveur, transporteur et bouvier à l'abattoir ont un rôle sur la couleur de la viande en assurant un transport et des manipulations respectueuses du bien-être des animaux. Tout stress doit être évité car il pourrait être à l'origine d'une mauvaise évolution de la couleur de la viande qui serait alors trop pâle, soit trop sombre. Le boucher conseille le consommateur pour le choix du morceau. Pour la viande bovine, par exemple, le rumsteak ou la bavette sont plus rouges car plus riches en myoglobine que le faux filet ou le rongite. La viande bovine présentée sous vide devient normalement plus sombre au cours de la conservation au froid. Quelques minutes de contact avec l'oxygène de l'air après ouverture du conditionnement permettent de retrouver des couleurs plus vives. La cuisson entraîne le passage du rouge au brun doré pour plus ou moins intense, caractéristique de la viande cuite. La flaveur. L'éleveur choisit l'alimentation des animaux qui permet le dépôt de gras recherché dans les muscles. Ce gras musculaire, encore appelé le persillé, influe sur la flaveur de la viande. À l'abattoir, à l'atelier de découpe, chez le boucher, le respect de la chaîne de froid permet d'une part une bonne maturation de la viande, étape essentielle pour l'expression de sa flaveur, et d'autre part, il évite l'oxydation des graisses qui serait responsable d'odeurs et de goûts désagréables. La viande crue a une flaveur peu prononcée. La cuisson, par son action sur les précurseurs d'arômes formés pendant la maturation, développe la flaveur caractéristique des différentes viandes. Juteosité, comme pour la flaveur, l'éleveur joue un rôle très important pour le développement de la juteosité de la viande. Pour cela, il distribue aux animaux des aliments qui permettent le dépôt de gras musculaire recherché. Abatteur, découpeur et boucher assurent une maturation suffisante pour que le sucre musculaire demeure dans la viande et n'ait pas tendance à s'écouler au moment de la cuisson. Pour que la viande puisse conserver toute sa juteosité lors de la consommation, le boucher conseille à le consommateur le persillé d'une viande est garant de sa saveur et sa juteosité. Bien saisir la viande
en surface au début de la cuisson permet de conserver tous les sucres à l'intérieur du morceau et la durée de cuisson doit être maîtrisée pour éviter l'assèchement. Les viandes pour la cuisson rapide, les muscles de la boule cuisse hanche, BCUH, le tendon de tranche, le cœur de tendon de tranche, le merlan, la poire, le dessus de tranche, l'araignée épluchée, l'ensemble des gypes à la noix, le gîte-noix, l'oreille de gîte-noix, le rond de gîte-noix, le plat de nerveux, la tranche, le mouvant, le plat de tranche, le rond de tranche, le rumsteak, le cœur de rumsteak, le filet de rumsteak, la langue de chat, l'aiguillette baronne, l'aiguillette de rumsteak. Viande pour la cuisson rapide, le déhanché au milieu du train de côte, le filet de bœuf, le faux filet de bœuf, l'entrecôte si côte si os, la basse côte, le persillé, l'entrecôte seconde, l'épaule de bœuf en raquette sans bateau, la macreuse à beefsteak, le jumeau à beefsteak, la surprise, le merlan d'épaule, le paleron, le caparaçon, les bavettes à loyaux, les bavettes de flanché, la hampe, la fausse hampe, l'onglet. Pour les cuissons lentes, le BCUH, le jarret arrière, la carotte du nerveux de gîte-noix, le nerveux sans le plat, la fausse araignée, le faux morceau du rumsteak, la gouttière du sacrum sur l'aiguillette de rumsteak, le déhanché milieu de train de côte, le dessus de côte, l'épaule, le jarret avant, la macreuse à pot-au-feu, le jumeau à pot-au-feu, le paleron, le collier, la basse côte, le premier talon, le caparaçon, le moucheron, le bateau, le plat de côte couvert, le plat de côte découvert, le tendron, les bavettes à pot-au-feu. Les viandes pour les cuissons rapides d'origine de cuisson lente, les extensions. Le jarret arrière possède trois beefsteaks tendres BCU, la fausse araignée viande hachée, le nerveux de gîte beefsteak haché sauf carotte BCU, le faux morceau de rumsteak moitié beefsteak haché, le dessus de côte beefsteak haché milieu de train de côte, le jarret avant un beefsteak tendre le grand palmaire épaule. Le jumeau à pot-au-feu, beefsteak tendre, épaule. La macreuse à pot-au-feu, beefsteak haché, épaule. Le paleron, petit rond deltoïde, sous-scapulaire, beefsteak tendre, épaule. Le collier, beefsteak haché. Le premier talon, beefsteak haché. Le moucheron, beefsteak haché. Le bateau, un tiers beefsteak, deux tiers beefsteak haché. Le plat de côte découvert, beefsteak haché. Les bavettes à pot-au-feu, beefsteak haché. Le plat de côte couvert, beefsteak haché. Les équivalences par espèce, le bœuf. Jarret de bœuf, ossobuco de veau, souris d'agneau, jambonneau de porc. Le tendon de tranche de bœuf, la noix de veau, le gigot raccourci d'agneau, le jambon raccourci de porc. La tranche de bœuf, la noix pâtissière de veau, le gigot raccourci d'agneau, le jambon raccourci de porc. L'ensemble des gîtes à la noix de bœuf, sous-noix de veau, gigot raccourci d'agneau, jambon raccourci de porc. Le rumsteak de bœuf, le quasi de veau, la selle d'agneau, la pointe de porc. Le déhanché faux filet de bœuf. C'est les côtes filées, la longe filée de veau, les côtes filées d'agneau, côtes filées, longe filée de porc. Le milieu de train de côte de bœuf, c'est côte première, côte deuxième de veau, côte première, côte deuxième d'agneau, côte première, côte deuxième de porc. La basse côte, entrecôte découverte du veau, côte découverte agneau, partie de l'échine dans le porc. Le collier de bœuf, collier de veau, collier d'agneau. Seconde partie d'échine dans le porc. L'épaule de bœuf, l'épaule de veau, l'épaule d'agneau, épaule de porc. Le caparaçon de bœuf, la poitrine de veau, la poitrine d'agneau, la poitrine de porc.